Tu avais raison. Des hommes de Marie Lévesque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine... Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame Lévesque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Au secours! À l'aide! À moi! Donne-nous la poudre! Qu'est-ce que nous allons faire, Michel? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassée, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. Donne-nous cette poudre ou on te taille en pièces. Je crois qu'une petite promenade me fait. Merci, monsieur. Tout va bien? Oui. Si vous acceptez de me conduire en surplus, je vous promets le spectacle de votre vie. Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. Nous y sommes presque! Merci, mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement. Qu'entendez-vous par là? Rien. Cet homme passe sa vie sur les toits des immeubles. On va t'envoyer aux galères pour une simple miche de pain. Tous ceux qui sont ici sont accusés de la même chose. Et c'est ça qu'ils appellent la justice. Vous ne pouvez
J'arracherai les barreaux de cette prison. Et je me battrai pour gagner ma liberté. Tous ceux qui sont ici en prêt ou pas. Je crois que notre sort nous attend. Oh, Michel. Je t'aime. Moi aussi. Quelle odeur! Où est Jacques le charretier? Citoyens, on ne bouge plus. Ugh!
nous. Allez, allez. Bonne journée, Arnaud. Qu'est-ce qu'il maintenant? Fais-nous sortir. Papa disait toujours, tu as du mal mener. Il n'y a rien qu'un bon coup de nonne ne saurait avoir. Ou une nonne s'est vengée. Reposer en paix. Tu l'avais bien cherché. Ce sera bientôt le tour de tes amis. La nation ne te pleurera pas. Comment te portes-tu, Arnaud? Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. Faut
François Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, de voler me parle. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre ! Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Il complotait contre la Révolution d'une main, tout en jurant soutenir la Constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur Le Pelletier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Garde ! Garde ! Garde ! Meurs ! Il s'éloigne ! Plus vite ! Garde ! Mon Dieu ! Vous allez mourir ! Pas normal. Là-bas ! Je vais t'attraper ! Il est resté trop longtemps à la taverne. Oh, tu finiras bientôt entre les mains de Charlot. Mais... Pas le temps de t'expliquer ! Cours ! Le prix n'est pas négociable.
une promenade aérienne, professeur ? Non, non, non. Je crains que non. Ces vieux aérostats sont à la merci des vents. Et ils soufflent trop fort pour naviguer sans danger. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé ! Mais que faites-vous donc ? Descendez de là tout de suite ! Coupe les cordes ! Je te couvre ! Mon Dieu ! La révolution ne se fait pas en parlant. Fais vite. Révolutionnaire. Oui. Coupez-lui la route. Trop lent. Décampe, moucheron. Non. Ah, je t'ai retrouvé. Attention! Plus qu'une! Arnaud! Je vais te rejoindre! Attends-moi! Où veux-tu que j'aille? Tu as mis la fin à ton père! C'est vraiment très joli vu d'ici! Si tu voyais cette vue! À qui le dis-tu? Le vent forcit. Tu ferais bien de te dépêcher. Merci du conseil. As-tu au moins réfléchi à un moyen de redescendre? Ah, ces problèmes ont tendance à se résoudre demain. Tu vas bientôt manquer de toi. Où sont tes soldats? J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est quoi, Cisco? J'ai bien l'intention de rire. Il est là. En te voyant t'écraser dans le fleuve. C'est moi qu'ils sont en train de viser. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Restez ici. C'est une longue histoire. C'est pas vraiment le moment. Hey. Oh, pardon, monsieur. Go!
s'approche du fleuve. Fais vite. J'arrive. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire ? Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal ? Tu crois que c'est possible ? Et toi ? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, je... Tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Élise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Désolée pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion ? Je t'envoie les données. Ok, accroche-toi. Tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. Du fond du cœur, merci. Je prierai pour vous.
rime tout. Excellent moyen de vous Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur. Vérole doit lui manger la cellule. On m'a dit que tu te mêlais de politique. Je ne discuterai pas de ça. Ah non, ne pars pas, reviens ici. Je vous suis à jamais redevable. Merci. Je vous suis à jamais redevable. Qu'est-ce que là, ma gueule? Hey, ça suffit! Tu es sûr de vouloir faire ça? Pas vraiment, non. Mais le Marquis siège à la Convention en compagnie de Le Pelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche? Ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Le Pelletier, que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Sade, Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du Palais Royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh que non. Livraison de vin pour le palais. Emporte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer ces vitres comme il faut. Sinon, monsieur Le Pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Bonjour, citoyen Le Pelletier. Citoyen italien. Voyons-leur la garde royale, le problème sera réglé.
pas là. Moi, je vais au bordel. Personne ne m'échappe. C'est bien moi d'être au mauvais endroit au moment où... Misérable avorton, j'ai quelque chose à te dire. Ce verre a été coupé au sucre. Voilà un personnage suspect. Un seul verre et... Je ne sais pas de quoi vous... Ça, c'est vous êtes métier dit. Depuis 30 ans, mon garçon. Je sais reconnaître du bas frelaté. Mais il y en a pour 50 livres. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Ma foi, tu peux le vendre comme remède contre la virole si ça te chante. Mais je n'en achèterai pas une goutte. Essayez d'empoisonner mes clients. Désolé, monsieur. Je devrais appeler les gendarmes. Je vais le faire enlever dès le retour du chariot. Du vin empoisonné, et ensuite, du pain avarié? Pardonnez-moi. Du meurtre, voilà ce que c'est. Je vais le faire enlever dès le retour à du chariot. À votre avis, que vont faire les officiers? Vous avez lu le chariot de la ville. Bien entendu. Beaucoup trop lent. Allez, file. Beaucoup rentrer, je crois. Coupez-moi la route.
moi que ces carreaux brillent quand Monsieur le Pelletier arrivera. Il vaudrait mieux pour toi que ces carreaux brillent quand Monsieur le Pelletier arrivera. J'ai hâte de te faire des boyaux. Je veux que Monsieur le Pelletier puisse te regarder dans tes yeux quand tu l'auras terminé. Personne ne m'échappe.
Ce verre a été coupé au sucre de plomb. Un seul verre et... Je ne sais pas de quoi vous... Je fais ce métier depuis 30 ans, mon garçon. Je sais reconnaître du vin frelaté. Il y en a pour 50 livres. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Ma ça, fête, tu peux le vendre comme remède contre la virole si ça chante. Mais je n'en achèterai pas une goutte. Essayez d'empoisonner mes clients. Désolé, monsieur. Je devrais appeler les gendarmes. Je vais le faire enlever dès le retour du chariot. Du vin empoisonné, et ensuite, du pain avarié? Pardonnez-moi. Hé hey, arrête-toi, ou je vais te découper les jambes à la scie! Du meurtre, voilà ce que c'est. Je vais le faire enlever dès le retour du chariot. Eh bien, voilà qui sort. Estime-toi heureux d'échapper au gibet. Bien, monsieur. Si je t'attrape! Dangereux. Je t'avais promis une promenade au bout d'une pique!
d'empoisonner mes clients. On voit vraiment des gens étranges. Malhonnêteté incarnée. Ce verre a été coupé au sucre de préparer un mauvais coup. Un seul verre et... Ça, je ne sais pas de quoi vous... Je fais ce métier depuis 30 ans, mon garçon. Je sais reconnaître du vin frelaté. Il y en a pour 50 livres. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Ma foi, tu peux le vendre comme remède contre la virole si ça chante. Mais je n'en achèterai pas une autre. Fini d'empoisonner mes clients. Désolé, monsieur. Hé, hey, n'insiste pas. Allez, va-t'en. Je devrais appeler les gendarmes. Je vais le faire enlever dès le retour du chariot. Tu vas empoisonner. Et ensuite, du pain avarié? Pardonnez-moi. Désolé, monsieur. Tu vas empoisonner. Et ensuite, du pain avarié? Pardon, monsieur. Essayez d'empoisonner mes clients. Désolé, monsieur. Je devrais appeler les gendarmes. Je vais le faire enlever dès le retour du chariot. Tu vas empoisonner. Quel et genre ensuite, de méfait du pain avarié. Pardonnez-moi. Et tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Varié? Pardon, monsieur. J'espère que t'as un cheval. Tu ne le perdras pas.
vous ai-je fait du tort, monsieur? Je vous jure de ne jamais recommencer si vous m'épargnez. Partout, j'étais juste derrière lui. Mais où peut-il être? Si tu cesses de courir, je te promets une mort rapide, lâche.